Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour KTK saison 5 avec beaucoup de monde. Donc on va tout de suite présenter les équipes. Donc là on a l'équipe bleu ciel avec Starfond et Psychose. Bonjour. Normalement il va avoir la magie du demi-tage mais non. Alors là on a l'équipe violette foncé avec Quanticast et Skilltox. Ils peuvent pas dire bonjour parce qu'ils sont encore démutés. Zarata et Damien, l'équipe bleue, on sait pas trop quoi. Salut. Là on a Gab et c'est le sien. Équipe ouais voilà c'est le sien. Orange. Équipe orange, voilà. Hop. Ensuite la team jaune avec ATC et M Vincent. La team rouge avec Lil Draco et T-Wells. Au calme. Ok, un truc. On a Monsieur X Pichot et Monsieur Pike. Donc là l'équipe bleue on chelou. On a l'équipe des meufs avec Isocor et Sunil en mexicain. Moi je te vois en mexicain, c'est swag. Oh là okay. Là on a les jumeaux. Les Tiger squares, Power. Les tigres. Il peut pas le dire mais Tiger Power pour lui. Voilà. Donc ils sont là, donc l'équipe grise je crois. Je suis pas sûr. Ça, non. Si c'est ça. Si c'est gris. Bon là, l'équipe de Xenoph Teto. On a moi avec Matt sur YouTube. Voilà. Au calme. Et Xenor, qui recadre le coin. Bonjour. On a Rast et Az, la dernière équipe, l'équipe bleu foncé. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation, donc on va tout de suite parler aux règles. Donc les règles, c'est les mêmes que la saison 4, donc j'ai pas décidé de changer. Donc il y a Eternal Day, il y a Friendly Fire, les potions de 2 sont désactivées, le Nether est autorisé, quoi dire de plus. Il n'y a pas de PVP jour 1, très important. Et puis la map fait 2000 x 2000 et puis c'est tout, je pense qu'il n'y a plus grand chose d'autre à dire. Et donc du coup, on va faire une petite ellipse, le temps de se répartir, le temps de lancer la partie. Voilà, à tout de suite. Exactement. On va dans notre channel. Hein. Ouais. User left your channel. Ok, salut à tous les amis, c'est Skitox et on se trouve aujourd'hui pour KTP saison 5. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, là j'ai eu un lag, j'ai pas drop, ouais lag. Non c'est lag du serveur. Ouais, on a eu un gros problème, c'est-à-dire que en fait on n'a pas été TP, donc en gros on a été TP les derniers. Donc ce que je te propose, vu qu'on a perdu beaucoup de temps, on va... T'es où déjà? Ok. Là, je suis en train de miner. On va pas rentrer dans le Nether. Je te propose déjà ça. Ou au pire, on rentre dans le Nether que quand on a masse pomme. Ouais. Voilà. Il y a de la canne à sucre là-bas, donc je vais en prendre. Bah au pire, je m'occupe de la canne à sucre et de la bouffe et tu commences à miner. Ouais, ok. Ok, il y a de la lave. Et on va. Y a de la lave pour l'obsidienne, c'est plutôt cool. Non. Je vais miner. Ok, j'ai du lag. Bon, on est vraiment désolé. Vous aurez que 10 minutes d'épisode. Mais bon, c'est la vie. Il y a déjà des gens qui ont mal commencé, donc voilà. Bon, après ça se rattrape. Hop. Allez, c'est parti. On va. Il y a deux grottes hein, avec pas mal de fer. Hop. Ok, donc je prends déjà. Ouais, va chercher de la bouffe. T'as pris la canne à sucre? Voilà, je vais la prendre, je suis en train de faire ma table de crafté. Ok. Lag. Quand il y a un lag, il barre avec ton épée. Tu prendras pas les coups. Si jamais il y a un bug de. Par contre, il y a peur d'avoir de bouffe ici. Ouais, il y a plein de lag là, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, on est aux 4 points de la map, du coup, ça gêne. Il y a la race de lag, c'est chiant. Bon. Ah putain, il y avait que 2 cannes à sucre abusées. Ah, c'est abusé les lags là. Pourtant, je suis full co, tu vois. Ah, pourtant, non, moi, il n'y a plus de lag. Et alors, est-ce qu'il y a de la bouffe ici? Il please. Oh non, il faut pas abuser de ça, oui, quand même. Ah, par contre, là, ça a l'air d'être chiant, parce que c'est chaud, vu que ça lag, les mobs, ils spawnent pas. Allez, bah c'est full day hein. Ouais, mais après, faut tu voir. Tu trouves des vaches? Bah là je suis en train de chercher, pour l'instant j'ai rien trouvé. Alors bon, je te fais des outils. Ah non, je les ai déjà.
Ok, du coup, bah voilà, j'ai fait des sticks en trop. Je vais commencer à farm les pommes. Vas-y, je suis en mode méga stressé. Et puis, ouais, même moi, tu vois, de faire une petite connerie par-ci par-là. Moins stressé que la dernière fois. Alors, ouais. Déjà, je sais même pas où t'es. Là, t'inquiète, je m'éloigne un peu pour toi d'abord. Il y a une grotte là-bas. Il y a plutôt cool, il y a du poulet pour les plumes si on en a. Et juste, on est au spawn, hein, donc juste pour te dire. Ouais, je sais, j'ai une télécom. Ça, c'est plutôt pas bon. Mais en tout cas, on a des plumes. Déjà, je vais faire super attention, pas de dégâts de merde. Ouais, c'est cool. Et aussi, parce que. Bon, je commence à miner. Vas-y. Ouais. Je m'occupe de la bouffe. Faire super attention parce que. Ah, si jamais tu peux trouver un mineshaft, ce serait nickel. Comme ça, on ouais, vas-y, tu me prends pour qui là? Je suis pas le meilleur. J'ai des vaches. Ah, nickel, ça c'est bien, ça. Ça c'est déjà très bon. Ouais, c'est. Non, ouais, c'est très bon. Alors, t'es où? Déjà, faudrait pas s'éloigner trop du spawn parce que comme ça, on risque. Enfin, on croise pas beaucoup de personnes. Oh putain, j'ai failli prendre un coup! Mec, oh le réflexe de sneak mon gars. Oh mon dieu. Ah lag. Oh, j'ai failli prendre un. Oh. Pour avoir de la bouffe. J'ai déjà du fer, j'ai déjà du fer. Nickel. OK, né. OK, né. Bon, ouais. Le problème c'est que là, faudrait que je trouve une grotte et j'ai pas de bouffe mec. J'ai absolument pas de bouffe. T'inquiète, bah là je vais arriver avec un peu de bouffe pour que toi tu descendes, mais après j'irai en chercher. Ok. Ok. Je commence à farm les pommes. Vas-y. Ce serait bien si on peut avoir deux pommes chacun et qu'on perd aucun cœur comme ça on est. Est-ce que tu veux que je commence à miner en opti? Bah commence à déjà descendre la couche du diams. Comme ça c'est déjà fait. Ok. Ouais. Attends, est-ce que tu peux me dire les coordonnées exactes? Alors, moins 192. Ouais. 120. Ok, nickel. Ah, c'est vrai que les moutons donnent pas encore de viande. Ah, bah, là si on a de quoi faire des arcs, je te dis pas toutes les flèches qu'on peut avoir. Ah, bah, c'est bon. Diamant? Non. Si. Ah, ouais. Ah t'es ouais mais ils ont commencé dans les premiers donc. C'est nous qu'on va gagner. Date français quoi. Ouais. Ne me fais surtout pas peur. Parce que. Attends, là. L'équipe... Je crois que... Ah oui, c'est là-bas. 4 épées, 5, easy au calme. Après je vais au spawn pour prendre la canne à sucre parce que là j'en ai que 2, il en faut 3. Alors, j'arrive, je crois. Ah, je te vois. Tu veux que je refasse un four pour faire cuire? Vas-y, fais un four. Pour que je prenne 2-3 de côté, comme ça je vais en 0-0, je prends la canne à sucre et j'arrive. Vas-y, il y a du charbon dans le four. Hop. Ah, ouais, il y a juste une personne à 19 et un autre. Bon, je balance les œufs, attention. Fais gaffe! Ouais, non, moi il faut impérativement de la nourriture. Moi j'en prends un. Voilà. De toute façon, quand on est dans les mines, essaye d'avoir. Allez hop, un stack en tout, je pense que c'est raisonnable. Ouais, bah, là je vais aller au spawn parce qu'il y avait plein de vaches au spawn. Donc je vais y aller, en plus il y avait de la canne à sucre. Hop, donc. Je vais juste encore prendre 2 de poulet. Bon, aujourd'hui dans cette saison, je vais essayer de faire une très bonne saison, d'être un des derniers. On pas forcément gagner, c'est pas mon objectif cette saison. C'est de dire aussi que aujourd'hui, enfin, ce soir, Skill Talks, c'est pas forcément parce que je suis mort la saison dernière le premier que tiens. Je ne peux pas revenir en force. T'as pris du fer? Ouais, je me suis fait une pioche en fer. Okay. Je vais 0-0. Ouais.
Donc voilà. Et puis je sais pas c'est quoi ton objectif. Tu filmes toi aussi? Ouais, je filme. Bah, ce serait de d'aller loin quoi, d'essayer au moins d'être dans le fight final. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, fight final, ouais. Mais bon, moi je suis vraiment quelqu'un qui stresse à mort. Bah, le truc c'est de pas se frapper et. Pourquoi tu vas aller en 0-0 en fait? Parce qu'il y a de la canne à sucre et masse de vache. Et vu qu'on est pas loin du 0-0, on t'en profite. Quand il y a déjà des points aussi. Ah bah nickel, nickel. Quand il dit 0-0, pas 0-0 pile, mais. Oh, je lâche un type force. Bref, c'est parti, je commence à miner. Vas-y. Et voilà. Bon, l'organisation pas meilleure que. Ouais, ok, lag. Pas meilleure que l'année dernière, je trouve, personnellement. Ouais, ouais, bah il y a eu plein de changements d'équipe. Hein. Je sais pas, t'as changé combien de fois de partenaire? Trois fois. J'étais ouais. avec ATC Démoniac, qui je sais pas avec qui il est. Ouais, avec M2034. Et après, je devais être avec Starspoon et après. Bah moi là-bas j'étais avec To, après j'ai été avec donc To a dû changer parce qu'à cause du deuxième tirage. Après j'ai été avec comment il s'appelle, Starpoint aussi, mais il y a eu encore un changement, donc Starpoint était avec avec c'est toi. Un peu ouais, c'est un peu nawak hein, mais bon je remercie quand même Zanto parce que c'est quand même c'est cool. Un honneur pour moi on va dire de participer à KTK Ouais. Ah, par contre, là, Nico, je sens qu'on va être très très bien parce que. Il y a masse de poules. Ouais. Moi, je dis toujours, ceux-là qui commencent sans pression, qui sont à pioche en pierre à l'épisode 2, voire 3, et bah, c'est ceux qui vont toujours loin. Moi, c'est vrai. Et c'est vrai en plus, hein. Mais bon, après, il y a que les pros, genre iPierre, machin, qui sont pas mal. Ouais, iPierre, c'est pas qu'il est un pro, hein. C'est juste qu'il a beaucoup de chance. Ouais, tout le monde a un petit peu. Bon, celui-là maintenant qui a beaucoup de chance, c'est Mr. Dawid. Hein. Oui. Là alors, celui-là, il a plus de 28 000 abonnés maintenant, cet enfoiré. Ah putain, par contre, j'ai pas de nourriture, c'est un peu dommage. Enfin, de pommes, je voulais dire. Ah, de pommes. J'ai zéro de. Ah, il y a un poulet là. Hop. Ouais, pareil, moi j'en tue plein. J'ai la canne à sucre, mais le truc, c'est que les poulets, ça donne pas beaucoup de. Dans 5 minutes, reviens. Comme ça, t'es sûr de pas te faire tuer. Ouais, t'inquiète. Bah, dans 5 minutes, je reçois dans les mines. Au pire, si on n'a pas beaucoup de bouffe, faudra éviter de sprint. Bah, de toute façon, dans les mines, ça devrait aller. Xenoft, il est à 16. Ouais. Déjà, on est tous les deux à 20, je crois. Ouais. Ouais, on est tous les deux à 20. Et mon micro, il est bon parce que je sais que. Oh non, moi, perso, avec TS, c'est nickel. Je suis pas trop de bruit. Ok. GG, oh GG. Diamant to you. Donc j'ai à peu près 22 trucs, donc on en a pas beaucoup. Va falloir éviter de sprinter. De toute façon, il y a les fours, donc t'as 20 de bouffe, c'est tout? Ouais. Non, essaye d'en trouver des masses si possible. Et au pire, non, mais trouve-en le plus possible. C'est. Je sais, je suis chiant, mais comme ça au moins on est sûr et après on perdra pas de temps pour remonter, tu vois ce que je veux dire. Ouais, le truc c'est que là il va y avoir le PVP et il y a Xanto qui est pas loin. Et bah tu sais quoi? Tu bouges tes fesses. Non putain, t'as combien? Vas-y, mets dans le four au pire. Bon, ce qui est bien c'est qu'on a de la canne à sucre et du cuir. Et du cuir, voilà, exactement. Donc déjà là on est bien au niveau de ça. Oh, moi j'ai et puis ouais fais un tour au cas où et puis voilà. Après je sais pas ce que tu veux faire Sharpness en diamant. Oh, j'entends déjà des zombies. Bah, zombies. Si on a diamant, Sharpness dans diamant. Après, ok, j'ai trouvé une grotte. Ok, fais gaffe, sécure bien, fais des torches. Ouais, et ça pue le mini zombie et c'est les merdes que je déteste le plus au monde. Mais surtout, essaye de bourriner pour. De descendre vite à la couche 11. Est-ce que je prends le risque de regarder. Non, pour l'instant, non, rush la couche 11. Une fois que t'as la couche 11, on met les fours en bas et après on explorera tout. Ok, c'est un cul-de-sac ça. Donc. Oh! Quoi? Putain, enchanteur déjà! Pff.
Bon, moi je te propose franchement de prendre notre temps. Si on veut aller dans le Nether, on ira quand on a le temps. Moi je dis, on va dans le Nether que si on est vraiment bien stuff. Et bah que si on voilà, est genre pomme d'or et etc. Donc, Là je vais éviter de sortir parce que je vais y rentrer même si on n'a pas beaucoup de bouffe parce que il va y avoir PVP. Je prends pas le risque de regarder la mine, non? Non, 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 tu descends direct de couche. Ok, ça marche, ouais, ouais, non, parce que. Miskin, je vais me faire niquer. Ah, putain. Attends, je vais descendre par là. Oh le bâtard! Xenoph, il a déjà une pomme d'or? Lol. Oh, mais ils ont commencé tôt. Hein. Ok, ouais. Donc je vois une équipe. Je vois les blocs clairs. Donc je me taille. Starpoon et. Ouais, ils t'ont vu? Non, ils m'ont pas vu du tout. J'étais sur une montagne, ils étaient dans le désert. On a commencé. Bon, bref, j'arrive et... Oh, le temps, c'est de l'argent. Attends, il va me faire regretter. Et de toute façon, t'inquiète, on a le temps. Le KTK, c'est pas rush, quoi. Ouais, là, ils vont être enchanteurs. Ils vont tous aller Nether, pour un popo de force. Ils vont tous se tuer, ils vont tous s'affaiblir. Et que nous, on sera tranquille dans notre coin en train de bien stuff. Ouais, mais eux, ils ont des potions. Ok, bah, encore une grotte. Là, je prends, je vais essayer d'y aller parce que... Couche combien? Couche du diams. Nickel. T'as pris les fous ou pas avec toi? Non. Donc là, si tu pouvais les récupérer. Est-ce que il y a des pommes qui ont spawné? Je vais te dire ça tout de suite parce que là je suis en train d'arriver. Au fait, où ça va être? Bon, c'est une grotte de merde. Honnêtement, c'est une grotte de merde. De toute façon, on dis-moi qu'il y a des pommes qui ont spawné. Oui, il y en a. Oh yes. On a qu'une pour l'instant, je crois. Une. Deux, ah, ça serait pas mal. Il a l'air d'en avoir qu'une. Merde. Hop. Je casse les fours. On a du fer. Hop. On a un petit peu de fer. C'est pas la dèche non plus. Oh bah moi... Je descends aussi, donc je vais... Ouais, rebouge derrière toi, s'il te plaît. Ouais, je rebouge, t'inquiète. Putain, moi, j'allais dire ça. Alors, on est couche 11. Ok, c'est parti. Donc, voilà. De toute façon, tu trouveras l'escalier et je commence à miner en ligne droite. C'est parti. Alors. J'espère qu'on aura assez de bouffe. De toute façon, si on mine dans les grottes... Après, je sais que c'est pas trop intéressant. Mais bon. Ouais, c'est KTP, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de la préparation et un peu de PVP. Ce que je te propose, c'est que moi je ligne en ligne droite et toi tu fais tous les deux blocs. Enfin, tu vois la technique, quoi. Ouais, je connais. Allez, c'est ce que tu me dis dès que t'es derrière moi. Bah là, je suis en train de descendre. Je vois ton pseudo. J'espère, oui, c'est hop. Bon, okay. En tout cas, si on veut se faire un petit fight, je sais où il y a. Non. Ah, par contre, il y a de la lave, ça c'est cool. Je suis derrière toi. Tu te mets en stick? Ok. Moi, je prends pas l'habitude, je t'avoue. Je sens qu'on va avoir de la chance dans cette saison. Je dis ça à chaque fois. Hop, lag. Oh putain, ça pue ça. Ça pue. Recule pas parce que je suis derrière. Ouh. GG. Hop. Ah, il y a de la redstone. Je vais tout le temps la miner parce qu'il y a souvent du diamant derrière la redstone. On est couche 13. Chez toi, j'ai combien de barres? Oh, tout le monde a du diamant. Ouais. Ah bah Starpon et Psycho, je les avais vus tout à l'heure. Il me semble que c'était eux. Comment que ce soit les deux, ça devait être eux. Chez toi, j'ai combien de barres de coup? Là, tu as une barre. C'est un troll. Moi, j'ai toutes les barres chez WAM. Mais c'est par rapport à moi aussi, c'est pas par rapport à toi. Ah bah c'est bon, ok. What? Ah oui, il y avait plus de redstone. Allez, on peut trouver du diams. Ouais, moi j'ai du fer, j'ai plus de 15 fer déjà. Ok,
Alors, de toute façon, on a le temps, là, on est en sneak posé. Ouais. Ah, bah, j'ai un signe du fer. Ouais, mine la race. De toute façon, le fer, il en faut pour l'enclume. Ouais, l'enclume. De toute façon, on a le temps pour le faire, hein. C'est pas... Bon, je commence déjà à faire d'un côté le truc des deux blocs, là. Bon, moi, je commence en scie. Et puis voilà, je suis quand même content parce que TC démoniaque, je le connaissais pas trop. Après, alors attends, comment il s'appelle déjà? J'arrive pas à retenir. Starpawn ou Starspawn? Starpawn. On s'entendait bien, on se parlait une fois déjà sur Skype, c'est quelqu'un de très très sympa. Et après, bah toi, je te connais vu que tu organisais beaucoup de KTC, des trucs comme ça. Ouais. Donc, bon. En général, je suis quelqu'un qui s'entend bien avec les gens, sauf quand on le cherche. Mais après, en général, vu que je suis un youtubeur, après, ils reviennent s'excuser. Mais ouais, non, je suis quelqu'un avec qui je m'entends avec tout le monde. Voilà. Voilà, j'ai fait d'un diamant. Côté. Non, si. GG, gros. 1, 2, 3. Attends, laisse-moi miner. Laisse-moi le miner. Merde. Non, t'abuses. Ah. Mais t'es pas obligé de le miner, faut juste que je te le loot, je crois. Par contre, là c'est nickel, on peut avoir la table d'enchante. Yeah. Oh, c'est pas mal déjà. Vas-y, ça. C'est bon, tu veux que je fasse cuire le. Attends, viens tout au bout. Continue de miner au petit. Tiens, je te passe ma pioche en fer, vu que je vais me faire la pioche en diamant. Continue de miner au petit et. Ouais. Déjà, je vais faire des fours. Ah oui, ah non, tiens. Ah, reviens. Tiens. Hop, ça se fait. Et nickel. C'est parti. Ah, ça c'est nickel. Ah bah là, ça va être la fin de l'ep. Ouais. Hop. Ok, salut, c'était Skilltox et Quanticast. À toutes.